Buenos días, buenas tardes, un gusto saludarles. Nous guía 1, guía 1, deuxième trimestre, segundo nivel, c'est sciences naturelles, ciencias naturales. Eh bien, nous mettez nom et puis classe date. Professeur qui enseignait matière ça, c'est Cathy Diaz, Camila Odea, Catherine Guajardo. Eh bien, objectif guia ça, c'est pour nous capables d'utiliser le concept général de pression pour expliquer les variétés situations quotidiennes. Calculer la pression qui exerce les liquides dans différentes situations. Guia ça, il parle surtout sur hydrostatique. Il parlait sur la pression. Il parlait surtout sur la force, cohésion, sur la superficie, sur la tension et autres. Eh bien, il est très important pour nous capables de faire lecture ça qui parlait sur hydrostatique. On a fait lecture, on a gagné une idée qui ça, il y a une pression hydrostatique lui-même lié. OK, là on a quelques exemples qui sont très importants qui c'est médidor de pression des véhicules et qui parlait sur atomisador de perfumes sur healing hypodermique. C'est très très important parce que ça même il y a une pression. Eh bien, tout ça qui gagne liquide, il y a une pression. Il y a une pression qui est exercée. Là, il y a un petit résumé. Il dit que un liquide est un fluide. Ah bien, liquide là, ils sont fluides. Liquide là, il y a une masse. Et il dit que pour raison ça, il y a un poids. Et poids lui-même, les poids dépendent des densités liquides là. Et liquide, il y a un poids, et puis il y a exercé une pression. C'est ça que fait Yovin, relève pression hydrostatique. On a appelé tout ça, pour nous comprendre qui ça qui y a pression, qui ça qui force. OK. On va aller directement dans l'activité que nous gagnons pour aujourd'hui dans GIASA. On a rappelé, nous pouvons avoir des très bonnes idées, non seulement pour nous rappeler qui ça, pression hydrostatique, lui-même lié, et puis nous pouvons aller toute partie ça tout pour nous qui ça y ont fluidoyé, et puis pour nous avoir des très bonnes idées. Très bonnes idées dans GIASA. OK. On a commencé avec exercice ça, exercice 2, qui dit que les facteurs qui incluent dans la pression des liquides. Là, on a vu que yo ban nou 4 tank ou bien 4 récipients. 4 récipients qui gagnent de l'eau. Mais chaque récipient, ça va yo trouver à la même hauteur. Et puis, yo gagne 3 trous. Yo gagne 3 trous. Et puis, yo plein de l'eau. Ya, ça veut dire que pour qui ça? Lorsque de l'eau est sortie, il y a de l'eau qui gagne plus de volume, il y a qui arrive plus loin. Par exemple, ça en bas, nous allons arriver là, et ça arrive plus loin. Eh bien, il y a demandé pour qui raison. Pour qui ça pression, il y a même très différent. Pour qui ça dans pression, ou après, il y a qui arrive loin. Par exemple, ça qui est juste en l'air net là, il arrive plus près, il n'est pas arrivé loin. D'après, ça qui en bas là, il arrive plus loin. Pression arrivée plus loin, eh bien, il dit pour qui ça? C'est le même pour qui ça? Nous allons essayer de répondre avec la question. Ça, on a mis des réponses là. Et la pression hydrostatique, par exemple, on met de l'eau dans un récipient après que le trou qui est en bas, eh bien, il y a plus de force, il y a plus de pression qui fait. Après ça, hein, ça, qui en bas, nous est arrivé plus loin. Pression li plus.
Il y a plus de force. OK. Deuxièmement, et nous voyons que nous avons quatre récipients qui gagnent de l'eau qui sont au même niveau. Nous avons en figure ça. Et nous gagnons à l'intérieur, nous avons une clé. C'est-à-dire, nous avons une clé pour capable ouvrir de l'eau. Eh bien, yo vient poser une question. Je dis que si toutefois nous ouvrions dans la même période, eh bien, vitesse yo qui va sortir et de manière ordonnée, en mode, ça veut dire, n'a ordonné comment vitesse de l'eau ou bien pression de l'eau li pral sorti. N'a choisi ça qui bon en bas. OK? Est-ce que vitesse B a pral supérieur avec vitesse D a li pral supérieur avec vitesse A li pral supérieur avec vitesse C a? Eh bien, ou a choisi ça qui bon. C'est sûr que ça li même bon, c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D. C'est-à-dire yo chaque gagne vitesse. Bien c'est même vitesse ça yo parler nous là. Eh bien, on a bay ordre là. Est-ce que vitesse A lui-même li pral égal avec vitesse D? Est-ce que A pral égal avec D qui pral supérieur avec B qui pral supérieur avec C? Mais c'est là même qu'on a choisi qui ça qui correspond là. OK. Et question 4 là, il dit que al tout là li gagne trois objets qui gagne même forme, qui gagne même taille, bien même hauteur. Eh bien, qui sont nous capables de dire de tout là sur poids des objets X là comparé avec objet Y et Z. Mes trois objets, ça c'est objet X là, objet Y, objet Z. Qui sont nous capables de dire des trois objets ça. Est-ce que gagnent qui gagne plus poids, est-ce qui ça gagne moins poids? Eh bien, nous pouvons choisir ça qui est bon. Par exemple, si me t'a dit X là, il gagne moins poids que Y avec Z, elle m'a choisi ça. Comprenez que selon moi-même si c'est l'équivalent. Mais c'est sûr que et sous objet ça l'irrité en l'air, ça veut dire il y a moins poids. Ça yo descend, c'est sûr que yo gagne plus poids parce que yo descend en bas. Ça yo là considérer que yo gagne même poids. Poids yo différent avec X là. Là, nous pour aller chercher dans ça qui l'être qui bon. Comprenez qui ça qui bon c'était A c'était B qui c'est n'a encercler ou bien n'a faire un petit quoi. C'est choix multiple. OK, question 5 là. Il dit que si tenemos tres recipientes, si toutefois nous avons trois récipients qui ont plusieurs formes qui ont formes variées et yo gen même liquide qui c'est de l'eau, eh bien il dit que qui pression n'a gagné si toutefois il gagne en profondeur qui c'est 0.15 mètres. OK, si toutefois nous avons une profondeur qui c'est 0.15 mètres. Si nous parlons de profondeur, nous avons dit une hauteur, hein? Eh bien si toutefois nous avons une hauteur, eh bien nous avons une pression. Nous allons utiliser une formule et selon Jean professeur qui travaille avec nous dans la classe là pour nous capable joindre réponse à demander qui pour nous capable une pression. Ça c'est la physique. Ya? Donc, utilisez la formule pour nous joindre et pression et puis dans petite réponse là. OK, 6. Yo dit que deux liquides côté densité yo liquide A de densité ça qui c'est 0.901 grammes par centimètre cube et puis et B a gain densité ça. Yo mandé qui pression qui plus gros pression que qui existait, OK? Qui pression qui plus gros. OK. Là, yo dit que dans cette là dans deux récipients, yo ajouté yon nan yo
Aseline, l'autre là, yo ajoute sab, et nan l'autre là, yo ajoute même bagay la. Plus d'eau, et yo di ke pou nou kapab observer ki sa ki rive, pou nou explique. Ya? De likid sa yo, ki yon nan yo ajoute aseline, et yo ajoute sab, et bien dans l'autre là, ils ont ajouté même bagaille yo, et mais ils ont mis de l'eau en plus. Ils ont demandé pour dire qui ça arrivé, qui ça arrivé, et pour expliquer ça qui arrivé. Question 8 là, pour observer et analyser, expliquer qui dans deux substances ça yo qui pourrait présenter plus gros densité. Qui est dans substance ça qui a présenté plus grande densité. Est-ce que c'est ça qui est un mélange acéline avec et sable là? Est-ce que c'est ça qui est acéline, sable et de l'eau? Eh bien, on va dire qui ça qui est plus grande densité dans yo. Et puis on va dire pour qui ça. Et l'autre question, il a dit que si toutefois nous t'a mettez glace dans un cube, eh bien, qui côté la frotte plus? Est-ce qu'elle a flotté dans de l'eau plus? Est-ce qu'elle a flotté dans l'alcool plus? Qui côté l'a flotté plus? Question 9. Il dit qu'à 100 mètres de profondeur, ou bien de hauteur, côté qui gagne plus grande pression, plus grosse pression? Est-ce que c'est dans un lac ou bien c'est dans la mer? On va mettre des réponses là. À 100 mètres de profondeur, qui côté qui gagne plus gros pression? Est-ce que c'est dans le lac ou bien c'est dans la mer? Et pour dire pour qui ça? Ok, nous continuons. Là, il y a une compression lecture. De lecture, il y a un texte pour nous lire qui c'est un texte qui parle de pression. Il y a un de pression, globe, etc. Ok, là, nous descendons plus bas pour nous aller faire. Nous allons aller très rapide parce que pour. Vidéo n'est pas très longue, pour pas trop longue. OK, il y a dit que. Et qui ça nous pensait selon la même dépression? Qui sa pression est? Expliquez avec propre palabre, là, avec propre mot. Ce n'est pas ça que vous mettez en l'air, mais selon même qui sa pression est. OK. B, il y a dit que. Et qui facteur qui dépend. De quel facteur dépend de la pression à l'intérieur d'un fluide? Et pression qui en dedans yon fluide, eh bien, de qui et facteur de pression li dépend. Et puis, on va expliquer. On va expliquer. OK, yo di que selon texte là, et si nous capables, si nous plein yon globe, nous mettez de l'eau là-dedans, par exemple, yon blade, si nous plein, nous mettez de l'eau là-dedans. Même genre ça indiqué dans figure ça et on a propriété de los liquidos que es. Je dis que qui énonce ce qui est correct. Eh bien si toutefois nous mettez de l'eau dans un blade même genre well et là eh bien qui ça peut arriver yo ba nous réponse là n'a seulement choisi ça qui est bon ya allez si nous mettez de l'eau dans un gobe. Dans un globe, ou bien dans un blade, bien qui ça peut arriver, eh bien, le réponse dans là, on a seulement choisi. Il dit que pour qui ça, et gaz et liquide considéré comme fluide, pour qui ça, gaz à lui-même et liquide, il est considéré comme fluide. Eh bien, dans la partie ça, il y a des exercices pour nous capables de faire. On a parlé très vite. Et c'est choix multiple. Et puis, il y a vrai ou faux. OK, ça, c'est vrai ou faux. Tout ça qui est vrai, on a mis V. Ça qui est faux, on a mis faux. OK, on a fait petit A, petit B. Et ça, c'est choix multiple. OK, on a choisi ça qui est bon. Ça, c'est choix multiple. Choisi ça qui est bon. C'est très simple, très simple, très simple. Choix multiple, on a choisi ça qui est bon. Hein? On va. Par exemple, il dit que les fluides se encuentrent là, en état, est-ce que c'est liquide solamente, est-ce que c'est gaseoso,
Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est liquide? Et gazeux. Merci à vous tous et bon succès. Et qui nous capable prendre du temps pour nous faire lecture, garder ça bien et pour nous capable bien répondre. Merci à vous tous.